Vous y croyez ou pas? J'y crois absolument pas là. J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, je pense que vous allez voir du gameplay Warzone qui n'a jamais été vu pour l'instant. Je suis sûr qu'il y a peut-être 2-3 joueurs arbalète dans le monde entier, mais en BR solo, je pense qu'en résu, peut-être qu'on en voit de temps en temps, mais en BR solo, je pense que c'est du jamais vu. Et surtout, les types de parties que vous allez voir aujourd'hui, les amis. Franchement, j'ai mis des dingueries. Pourquoi d'ailleurs je joue cette classe, je vous explique vite fait. C'est parce que j'ai envie de faire la nucléaire avec. J'ai un défi, en fait, de nucléaire solo. L'autre jour, j'ai fait le chevalier, qui est pas sur YouTube d'ailleurs. Je vais peut-être le mettre bientôt. Avec l'épée. L'épée Excalibur. J'ai réussi à faire la nucléaire solo avec. Et bref, du coup, j'aimerais le faire avec l'arbalète et un couteau. Pour un peu, du coup, le chevalier avec l'épée. Et cette classe, ce serait Guillaume Tell, Legolas, Robin des Bois, ce qu'on veut. Mais voilà un peu le bordel, quoi. Le petit délire sur Twitch, c'est ça. Et bah, du coup, je m'entraînais avec cette classe. J'ai mis des dagueries. Vraiment des dagueries. Bon, prenez un screenshot si vous voulez. Mais évidemment, c'est pas une vidéo où je vous explique qu'il faut absolument jouer cette arme de loin. J'ai joué, du coup, pour vous expliquer vite fait avec le thermique. Parce que pendant la nucléaire, il y aura plein de fumigènes sur la bombe. Et pour faciliter, entre guillemets, la tâche, parce que même si c'est très très dur, le thermique, il sert à ça. Du coup, si vous avez remarqué, il n'y a pas de flèche explosive. Parce que sur ce Warzone, c'est à chier, excusez mon langage. Comparé à Warzone 1, où ça tuait tout le temps quand tu touchais un mec, là, c'est vraiment nul. Du coup, c'est mieux de faire une stratégie où une tête met toujours un gars à terre. Et la vélocité des flèches est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, entre guillemets, même si c'est extrêmement dur de base, évidemment. Mais voilà, pour vous expliquer vite fait ce qui se passe avec cette classe de taré, donc avec le couteau, et puis voilà, donc pas alpiniste. Pas alpiniste parce que je me suis dit que pas de course, main lest, c'est beaucoup trop important là. Il faut vraiment être toujours à l'affût. Et puis voilà. Donc voilà la classe, les ghosts. Franchement, je jouais pas ces classes, mais je pense que vous avez kiffé. J'ai vraiment mis des dingueries. Genre vraiment, je pense peut-être être le meilleur joueur à balette de Warzone maintenant. Je le dis comme ça. S'il y en a qui veulent prouver le contraire, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Peut-être le meilleur joueur à balette de Warzone, c'est moi. C'est moi. Peut-être. Bon visionnage. On se voit demain pour une prochaine vidéo. Ciao. Taré pour descendre tout en bas en se plaquant, vraiment, c'est des... Tu vois, c'est des gens qui font des moves complètement stupides. Oh là, impossible. Impossible. Une minute putain de seconde gros.
Pas deux fois. Le gaz avance. Oh! ¿De qué te sirve? ¿Te ves player? ¡Ah! ¿Te ves player? ¿Te ves player? ¿En serio? No te voy a disparar. No, no te voy a disparar. Oh mon dieu. J'allais à terre cache sur lui, je me suis souvenu. Regarde la killcam. Look at the killcam. Look at the killcam. Vous y croyez ou pas? J'y crois absolument pas là. Yeah, bro, from very far. That was fucking nuts. That was a good shot, I'll give you that. But, let's not. La décision d'avoir enlevé des carreaux explosifs, hein, ça a tout changé sur cette arbête en vrai. Et ça, ça je loupe ça. L'idée était bonne. C'est deux mecs différents. Je crois, non? C'est le skin Godzilla. Le gaz se rapproche. Allez à la nouvelle zone de sécurité. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Ah, je peux pas, je peux pas. Vous êtes dans le top 5, la victoire vous tend les bras.
il a une thermique sur son machin. Je sais pas comment il m'a mis la tête. Tallure. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ça. Et collé au gaz, ouais, c'est vrai. Oh merde. Prendre la prochaine thune, ça te bloque après. Oui, t'es bloqué après que t'as pris le premier sachet entre guillemets. Yes, Korosh. Ils disent Korosh dans les animés, non? C'est Korosh. Genre, non, c'est Shiné. Attends, je confonds Shiné et Korosh. C'est quoi la différence? On meurt. Il y a les deux, non? Je sais pas, ça fait pas le même effet que Korosh. Oh, I would stop playing if I were you. Uninstall, maybe. Korosh. Yeah, all there for you. Un petit clip. Tatati, tatou. Non, ça c'est trop dur. Lui c'est possible. Oh my god. Dommage. Pas one tap. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a écrasé l'autre. Je pense qu'il a écrasé l'autre. Ennemi dans la zone d'opération. McGregor. Ah, attention. Attention.
mon rêve. Pas le piste. Il a fait des mouvements tellement bizarres. Ah, ok. Ah ragazzi, dai 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 dai. Ragazzo, ragazzo. Ça c'est vraiment dur ça. Wow. T'as pas le pénis, Dialfo ! Ils sont ensemble ces enculés ? Oh shit! Yo, c'était lourd! J'ai senti la lourdeur du truc. Plus que 10, la victoire n'est plus très loin! C'est quoi la meilleure façon pour enregistrer des sessions de jeu de très bonne qualité graphique? OBS. OBS, et me demande pas comment on fait. Google, YouTube, OBS, how to record gameplay from Warzone. Merci. Mais c'est quoi ces mouvements là, monter sur le... Oh là là. Encore un gars qui vient m'avoir parce qu'il sait pas ce qu'il fait là. Je le sens là. Cet enfoiré nous a semé. Le contrat de prime est annulé. Le gaz se rapproche. Il y a une nouvelle zone de sécurité. L'évasion est pour bientôt. Non, c'est pas possible. Oh my god. Bon bah il va revenir. Parce que je me mets vite là. Meilleure pose en haut de la tour. Vu que c'est... Ouais. En hauteur je pense. Il paraît logique, il paraît logique for me, so I do that, hein.
faux, ça. Les gars avancent. Nouvelle zone de sécurité établie. Non! Attention, le drone quitte la zone. Il a sang froid ? Papa, 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 pipapou ! GG.